Rappelez-vous, lorsque vous étiez enfant, on vous disait « Tu vas à l'école, écoute bien tes professeurs, car ils vont tout apprendre pour vraiment être en sécurité dans la vie. Grâce à eux, si tu apprends correctement, tu recevras un diplôme, tu seras diplômé, peut-être d'une grande école. Et plus tu feras d'études, mieux ça sera, car alors une entreprise pourra t'embaucher et cette entreprise te gardera à vie, à vie. » Tu pourras garder ton poste dans cette entreprise jusqu'à ta retraite. On vous disait aussi l'État, ce fameux État sauveur, s'occupe de tout, de votre santé. Il s'occupe vraiment de tout pour vous. Il vous met même de l'argent de côté. Il vous met de l'argent de côté pour préparer votre retraite lorsque vous la prendrez. Mais est-ce le cas encore aujourd'hui? Non, tout cela est terminé, c'est faux, terminé. Aujourd'hui, tout cela ressemble plutôt à un Rubik's Cube que l'on vous a remis entre les mains où on vous dit « débrouillez-vous et cherchez toutes les facettes possibles pour vous en sortir, mais débrouillez-vous ». Avec le cadran cash flow, il y a plusieurs possibilités. Sur la gauche, vous avez le E comme emploi, vous devenez un employé, mais ça, vous n'êtes plus en sécurité aujourd'hui. Votre employeur va décider de votre salaire, de la maison dans laquelle vous vivez, de vos vacances, quand vous pouvez les prendre. De ce même côté, il y a le fait d'être travailleur indépendant. Mais là aussi, il y aura des limites en temps. Et si vous tombez malade, alors votre activité pourra très certainement s'arrêter, même si vous avez pris une bonne assurance. Du côté droit, vous avez le P pour être propriétaire d'une activité. C'est là le plus intéressant. C'est là où aujourd'hui on se retrouve vraiment en sécurité. Et lorsque vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous pouvez alors investir. Investir et encore investir pour vraiment sécuriser, vraiment être en sécurité et vraiment être dans l'abondance. Comme vous l'avez compris, sur le côté gauche du cadran cash flow, maintenant tout ça c'est vraiment terminé. C'est vraiment évité, la sécurité n'existe plus lorsque vous êtes employé ou travailleur indépendant. L'idéal est d'être propriétaire d'une activité, propriétaire d'une entreprise qui tourne seule même lorsque vous êtes absent, malade, en vacances. Pour être propriétaire d'une entreprise, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez tout simplement, c'est une possibilité, une des quatre possibilités, placer dans l'immobilier, avoir de l'immobilier qui rentabilise par des locations, vous rapporte de l'argent, des plus-values, de l'immobilier, des maisons que vous retapez, que vous revendez. Une autre possibilité, c'est la bourse, les placements, les investissements. Qui vous rapporte régulièrement. Une autre possibilité, c'est ce que l'on appelle le marketing de réseau, qui marche très très fort. Et enfin, une dernière, Internet tout simplement, les possibilités qui existent sur Internet. Ces deux dernières, le MLM, ou marketing relationnel, et Internet, peuvent vous apporter énormément, énormément d'argent et d'abondance dans votre vie. Et ces deux, cette façon de faire, dans le marketing de réseau et le marketing internet que je vous parle et que je vous explique dans le site businesspassion.com. À tout de suite sur ce site business-passion.com.